Pendant cet événement, on a eu l'occasion de distribuer des goodies qui ont été des minuteurs, donc pour savoir combien de temps on se brosse les dents, combien de temps on prend sa douche. Un système de chronomètre assez drôle, assez ludique. Ça permet aux gens de faire des économies et une prise de conscience de ce qu'il faut et ne faut pas faire pour préserver à la fois la planète et faire des économies. Le résultat est assez flagrant, principalement sur l'eau, puisque la consommation d'eau en 2016 a diminué de 20% et la consommation d'eau générale de la résidence a baissé de 40% par rapport aux années précédentes. Alors, ce qui m'a plu le jour de cet événement, c'est de pouvoir rassembler déjà toute ethnie, toute classe sociale, tout âge. Il y avait de 7 à 92 ans, donc ma doyenne actuellement, qui se portait très très bien, qui partageait les uns aider les autres. On a pu, lors d'un quiz, justement, les anciens apporter certaines choses, faire des comparaisons par rapport au passé.